grâce à l'initiation, on me dit non, c'est ici maintenant, tu vas travailler. À t'embaucher. C'est délicat. T'embaucher. Ah, c'est quel coin ça? C'est quel coin? Puis t'as pas dit non, je me retourne. Ah, je savais pas comment se retourner. Donc, elle dit désormais, c'est toi qui vas être mon envoyé. Je vais t'envoyer dans les. Voilà, accompli la mission. Et si tu reçois une mission, je vais te donner, tu vas devenir reine. Donc, j'ai commencé première mission. Je me suis transformée en garçon. Je suis partie coucher à maman. Et j'ai enlevé son enfantement. Donc, tu as eu Kiki là-bas. Comment tu fais? Ah, donc c'est la même méthode, vous voyez. Je voulais savoir aussi, ouais, tu vois, un peu d'autres méthodes. Je voulais savoir si c'est pareil, quoi. Je veux savoir si la même méthode, comment on fait quoi les cuisses. L'autre l'a dit, j'ai fait ça. Il dit, c'est quoi, il dit, elle ne connaît pas. C'est les cuisses. Tu fais comment? Elle tape les cuisses là. Les deux mains, ou est-ce une main qui tape la cuisse? Une main, c'est deux, c'est pas une. Et puis, qui sort? Maintenant, j'ai. Hein? Oui. C'est combien de mètres? Non, tu ne mesures pas. C'est long quand même. Excusez-moi. C'est long. Donc, quand ça s'est fait comme ça, j'ai dit accouché avec ta maman. Et j'ai enlevé son enfantement. Comment tu as fait? Je suis couché avec elle, puis j'ai enlevé. Quand je suis couché avec elle, puis j'ai enlevé. Quand j'ai enlevé, comment elle tu as travers le rapport. Le rapport. Puis maintenant, ça a créé les douleurs au niveau de. Elle a commencé à sentir Ça veut dire que c'est pas un kiki qui est naturel. Ça peut faire 2 mètres. Donc quand j'ai enlevé. Oui, il faut que j'explique ça. Parce que c'est pas un kiki naturel. Donc ça peut faire 2 mètres. La femme, elle a beaucoup de mal. Elle a problème de bavane. Elle a tout détruit dedans. Et ça fait des années chercher un enfant quand il n'y a pas. Maintenant, moi aussi, j'ai envoyé son enfantement là-bas. Et elle est étonnée. Comment tu as fait parler dans lui? Je me suis transformée. C'est pas possible. Oui, madame Koulibaly, le sorcier ne peut jamais donner enfantement. Ça a été un miracle de Dieu. Non, j'ai transformé l'enfantement là. Non, il ne faut pas t'attirer, tu lui as redonné, c'est pas ça? Je n'ai pas dit redonner à... Non, j'ai dit, j'ai enlevé par moi la confrérie. Oui, ça j'ai compris. C'est dans la conférence là-bas, j'ai étonné. Ah, d'accord, je comprends. Donc, quand tu as pris ça, j'ai envoyé la conférence. Et tu as étonné. Et puis, à la conférence. Mais à qui? À ma soeur qui m'a envoyé en mission. Elle n'a pas de nom. Voilà. Tu as donné ça à ta grand-mère. Oui, et elle m'a dit. Elle t'a pas remercié. Elle m'a remercié. Elle m'a nommé reine. Ah, toi, tu n'es pas trop. Il n'est pas duré. Hé, stop. Elle t'a donné. Tu ne dis pas comme reine. J'ai été. J'ai été reine. Elle m'a nommé reine. Maintenant, deuxième mission. Ils sont pareils, ils sont même chose. Sorcier là, c'est même chose. Il n'y a pas son Yakuba, il n'y a pas son Bété, il n'y a pas son gourou. Tout le monde, même chose. Oui. Maintenant, physiquement, maman a commencé à avoir des problèmes d'appartement. Donc, un jour. Oui, ça, elle... ça va? C'est comme ça? Tu as eu les problèmes de mots de vente, des règles douloureuses. Oui, c'est donc, un jour, ma... Oui. C'est ma femme. Oui. Un jour, elle m'a fait une donc je suis partie me confesser à l'église. Et j'ai dit ça. Elle m'a dit que partout, je passe, on dit que c'est toi qui es derrière moi. C'est là, elle dit c'est vrai. Moi, j'avais pitié. Donc, je lui ai dit oui, c'est moi. Quand je suis partie confesser ça. Et l'homme de Dieu a prié. Il dit non, on va laisser la sorcellerie là. Mais comme déjà était nommé reine là-bas pour laisser, c'était pas facile. Donc je n'ai pas pu. Tu ne t'as pas délivré. Tu as parlé, mais tu ne t'as pas délivré. Mm-hmm. Écoutez très bien, remarquez un peu quelque chose. Ça dit, elle a parlé. Mais celui qui devait la délivrer, il n'a pas pris ça au sérieux. Il pensait que c'est la vie qu'il fallait délivrer. Or, il ne met pas l'accent si elle-même, c'est qu'elle sorcier là, vous dit que c'est plus dangereux quand elle a ça. On m'écoute très bien. Et puis, j'en profite pour dire, tout ce qui est dans la vidéo, il faudrait que les gens comprennent que il y a des enseignements que vous devez apprendre. Vous devez apprendre dans ça. Parce que même si la victime
le sorcier en train de faire des aveux à la victime pour dire « c'est moi qui t'a détruit ». Mais le sorcier doit être... On doit prendre son sujet au sérieux. Parce que c'est ce qui cette personne-là qui a détruit, c'est qu'elle est la victime. Mais il faut la débarrasser de la sorcellerie. Sinon, en priant pour la victime, qu'on ne délie pas celle qui a la sorcellerie, elle constitue encore un danger pour la société. Elle constitue un danger pour la société. Or, les gens, ça leur dit rien. Comme elle a parlé, bon, c'est fini. Non. Or, le pouvoir est là. C'est pas parce qu'elle a parlé que le pouvoir est parti. Le pouvoir de la sorcellerie demeure en elle. Et donc, elle va continuer de faire des dégâts. Donc, quand ça s'est passé comme ça, le pasteur a prié. Pour que ta maman enfante. Enfante. Pas pour toi. Pour moi, plus que tel, il n'a pas pu passer, tel déjà à elle. Moi, je vais te délivrer. Moi, Denis, même si tu es reine, même si ça a dépassé, grade même de reine, moi, on va te délivrer. Moi, on a délivré les gens. Oh, bonjour tout le monde. C'est la vie, hein. Des choses comme ça, c'est la vie. On doit beaucoup apprendre. Ce que je peux dire là, cette fille, elle est en train de parler, non? Elle est en train de dire ce qu'elle a fait. Mais est-ce que c'est Dieu qui parle? Qui est en train de parler? Qui est en train de dire des choses comme... Est-ce que c'est Dieu qui est en train de parler? C'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui parle. Donc, est-ce que ce qu'elle est en train de dire, c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Donc, moi, je suis en train de vous dire de faire très, très attention. Le monsieur qui veut la délivrer, est-ce qu'il connaît la vérité? Je ne le juge pas. Mais par mon propre expérience, parce que je connais la parole. Donc, lorsqu'on regarde des choses comme ça, il faut examiner très bien ce que la parole dit. On rentre dans la parole nous dit, ne jugeons personne. Ne jugeons personne sur cette terre-là. Faut pas que tu vas juger quelqu'un. Donc, ne juge personne, ne juge personne. Donc, moi, quand je prends la parole qui dit ne jugeons personne, parce que on est en train de lui demander si elle est sorcière, c'est un jugement, c'est une condamnation. Dieu nous dit dans la parole, ne juge personne, ne condamne personne. Donc ça dépend de ce que on croit, à quoi on croit. Ben, la parole nous dit aussi, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut juger, lui seul peut à la fois sauver et faire périr. Aujourd'hui, c'est les sorciers qui tuent, c'est les êtres humains qui se transforment, qui s'envolent, qui tuent, qui font ceci, cela. La parole nous dit... Oh, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut juger. Ok, je vais avancer ça ici. Oh, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut juger. Lui seul peut à la fois sauver. Lui seul peut à la fois sauver et faire périr. Pour qui te prends-tu? Pour qui te prends-tu donc? Toi qui juges ton prochain, pour qui te prends-tu? Toi, pour qui te prends-tu donc? Toi qui juges ton prochain, dis à son prochain qu'il est sorcier. C'est un jugement. Dieu est contre cela. Dieu combat ça. Dis à quelqu'un combien de personnes tu as tué, combien de personnes tu as mangé. Dieu dit ici, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour un Dieu? Toi l'homme, pour qui te prends-tu donc? Toi qui juges ton prochain,
Dieu a dit, ne jugeons personne. Donc, lorsque je prends la parole, et je prends ce qu'il est en train de faire, c'est le contraire. Dieu a dit, ne jugeons personne. Quelqu'un ne va pas venir dans ton église et tu vas commencer à lui poser des questions comme tu es un Dieu. C'est comme si tu es en train de te prendre comme un Dieu. La parole est là. Donc, les trucs comme ça, nous devons examiner pour savoir c'est quoi ça. Et s'il a compris l'évangile, et s'il est en train de se tromper, ben moi, quand je prends la parole qui me dit, ne jugeons personne, ne condamnons personne. Oh, c'est Dieu seul qui juge, qui peut... Oh, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut juger. Lui seul peut à la fois sauver et faire périr. Ça veut dire que c'est lui qui enlève la vie. Aujourd'hui, c'est les gens qui en, c'est les sorciers qui enlèvent la vie, les êtres humains qui enlèvent la vie. Et ben moi, quand je prends la parole, je compare la parole avec ce que les gens sont en train de faire. Je trouve que les gens là, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Que tu crois ou pas là, ce n'est pas mon problème. Que tu crois à ce que je suis en train de dire. Si toi tu crois que ton père qui est en train de te tuer, ta cousine qui est en train de te tuer, ben je vais te dire que tu es empoisonné. La parole est contre cela. La parole dit c'est Dieu qui juge. C'est lui seul qui peut sauver et faire périr. Ça veut dire que c'est lui qui prend la vie. C'est lui qui a donné la vie. C'est lui qui prend la vie. C'est pas quelqu'un. Ce n'est pas un être humain. Comment je sais ça? Ben, j'étais comme les gens qui sont en train de poser les questions. J'étais comme ça aussi. Je me suis posé la question. Je dis, ben Seigneur, comment une personne peut avouer ça là? Je ne comprends pas. Seigneur, montre-moi. Je ne sais pas. Comment ils peuvent se mettre à dire, j'ai tué, j'ai mangé, j'ai fait ce... Pourquoi ils avouent? Ok? J'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Ok, et Dieu m'a fait révélation. Révélation, c'est comme un dépôt dans mon cœur. C'est comme quelque chose que les gens ne savent pas, mais Dieu te montre. Et puis quand c'est déposé dans ton cœur, personne sur cette terre-là ne peut arriver. C'est comme le même dépôt que Dieu a fait parce que je n'étais pas sûr si Jésus-Christ est Seigneur. Et j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, si Jésus-Christ est Seigneur, aide-moi à croire vraiment. Il faut m'aider parce que je n'arrive pas, je ne peux pas croire que Jésus-Christ peut être fils et puis peut être Seigneur. Donc quand j'ai prié, c'est un dépôt. Le dépôt, c'est comme une assurance, c'est comme quelque chose qu'on ne peut plus t'enlever, ça vient du très haut. C'est Dieu qui te... Tu te mets quelque chose que personne ne sait, quelque chose que vraiment précieux, que Dieu vient, il te révèle ça, il te met ça. Donc depuis ce jour-là, Dieu a mis dans...